Et salut à toutes et à tous les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Icons Review. Et pour cette Icons Review, les amis, c'est très simple, je suis sur le serveur 5K Faction. En gros, les amis, j'aime bien le dire en anglais parce que c'est cool, c'est swag, là. Ça impose le respect. So, on est sur 5K Faction, et puis c'est le serveur de XCraft28, normalement. Il m'a demandé de le présenter, mais en plus de ça, les amis, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé aussi. Comme vous pouvez voir, la qualité de mon micro a encore changé, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez encore. Si vous avez des petits trucs pour le modifier pour qu'il soit moins en bruit de pièces, parce que bien entendu je suis dans une grande pièce bien à plein d'air au côté, alors c'est un peu normal que le micro vous entendez un peu comme si j'étais loin. Je suis désolé, bientôt je vais mettre un mur derrière moi avec des trucs d'insonorisation pour vraiment être dans un bon petit studio. Bon, ça va être dans un petit peu de temps parce qu'il faut quand même faire plus de YouTube money, les amis, mais bon, détail, c'était une blague pour ceux qui l'avaient pas compris. Alors on est sur 5K Faction, savoir PvP faction du type surclaim. Pourquoi je dis du type surclaim, mes amis? Parce que je vais vous l'expliquer un peu plus après, mais vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'appelle ça un type surclaim. Soit en gros, vous spawnez ici, vous avez la commande utilisée pour le désinfo. On va faire slash hide. Et puis, ça dit bienvenue sur 5K Faction. Bon jeu. Utilisez la commande kit pour prendre tes kits de départ. Ok. Kit nourriture. On a juste un kit de nourriture. Il n'y a pas de kit de départ. On commence juste avec de la bouffe. Toutes les explosions sont désactivées. Ok. Les enchantements sont maximum P3. P2, ouais, c'est marqué P2, ok. Les underchests sont désactivés. La commande S, les commandes utiles. Message, F et ping. Ok, on va faire ping. Non, ça marche pas. F, ok. Et message pour envoyer un message. Ah là là là. Ok, stats, ça marche-tu? Ouais, on a des stats, des 5K stats. Icons 87, kill stat, kill streak. Ok, ça c'est cool. Ça dit qu'il n'y a pas d'underchest, mais il y a un underchest là. What the fuck? Je ne peux pas ouvrir. Ah non! T'es pas sérieux? Ils sont désactivés, c'est pour ça. Ok, ici, ça dit quoi? Aussi hashtag spawner, aussi hashtag sur 5K. Pioche à spawner, hashtag au PNJ. Rare. Pioche à spawner. Ok, il y a une pioche spéciale pour des spawners. Ok, on va aller voir ce bâtiment-là. Salon information. Allons-y. Ok, là, ça dit quoi? Ça dit rien, c'est fuck all. Ça, ça a l'air d'être une horloge. Ça, ça a l'air d'être un hamburger. Ça, ça a l'air d'être une bûche de bois. Ça, ça a l'air d'être un hamburger. Ça, ça a l'air d'être une fucking tasse à café. Ok, ça sort des informations, mais je pense qu'il y en a pas. Je trouve quand même beau le bâtiment. Je sais pas qui a construit, mais je trouve ça cool. Bon, on va aller voir ici. Potion d'invisibilité. Qu'est-ce qui est marqué? Potion désactivée. Ah, ok, ok, ok. Potion, tout ça de désactivé. Ok. Potion de weakness, arming. Potion 2, poison 1, poison 2. Strange, génération, slowness 3, invisibilité. Ok, c'est intéressant à savoir. Qu'est-ce qui est marqué ici? Liste des grades défauts. Donateur 4 € site. Famous 1K plus 600 vues sur une vidéo du serveur. Modérateur, souvent des amis ou des candidatures. Créateur, les fondateurs du serveur, ok. Famous, I'm so fabulous, cause I'm famous. I'm so fabulous, cause I'm famous. Qu'est-ce qu'il y a là? Wow, ça c'est swag. J'ai aimé l'effet que ça l'a fait, avec le nuage et tout, avec les shaders. Mais bon, on retourne en bas. Au moins, c'est tout sur les grades, ça c'est intéressant les amis. Vous savez, si vous avez 1000 abonnés, vous faites 600 vues sur le serveur. Vous pouvez passer partenaire. Mais je trouve ça un peu plate, parce qu'il y en a qui font... Ils ont 1000 abonnés, mais que le vidéo c'est de la merde, enfin bon. Salle des enchantements, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Oh, ah, est-ce que les tables d'enchantement sont modifiées? Non. Ah, y'a rien. Je pensais qu'il y aurait quelqu'un qui aurait pu nous mettre une pump cheat, tu sais. En mode vidéo. Les pump cheats sont désactivés. Si je me dis bien, si je dis pas de bêtises, les amis, à ce que j'ai entendu dire. Autant les pump cheats que les pommes d'or. Peut-être que je me trompe. Je suis pas certain. Après, je disais juste avant, les trucs... Je disais que c'était un serveur... Oups, excusez-moi. Je disais que c'était un serveur... sur claim, c'est très simple, je vais vous expliquer pourquoi. On va créer la B-Free. On va faire FF. En gros, les amis, les coordonnées de ma map, regardez, les coordonnées sur la F-Map sont juste là. Alors, vous avez les maps de toutes les bases. Pourquoi?
avoir les coordonnées de toutes tes bases si les explosions sont on, etc. Ben justement les amis, les explosions sont pas on, il n'y a aucune explosion. C'est, vous pouvez créer un putain de beau château puis juste vous faire attaquer en surclément. Alors en gros vous allez devoir vous PVP, vous fight, etc. Un peu à la, je sais pas si je m'excuse de dire ça, mais un peu à la SH Faction. C'est un peu la même chose que c'était dans le temps que Slide faisait des vidéos sur SH Faction. Je sais pas, je suis pas été sur SH Faction dernièrement, je sais pas ce qui s'est rendu quoi, si c'est encore là. Mais voilà. En gros, ici, vous avez les membres du staff. Ça, on va voir. Ici, c'est marqué Helper Terra, Saratum 72 Modo, Skazy Modo. Ici, Builder Terraformer, Yakta Ketsusama. Ah ouais, je sais c'est qui ce gars. Il fait plein de spawn. Monsieur Porte-Tenfer, Builder. Ah, lui, il avait fait un serveur de PVP qu'ils auraient à présenter. Ici, c'est marqué quoi? System admin, ok. Quizzy, whatever you call it. Staff model owner, owner Xcraft 28. Inatari, what? Est-ce qu'il y a de l'écho? Attendez, je reviens. Oh, what the fuck, that was fucking funny actually. Ça c'était vraiment bizarre, les amis, je m'entendais genre en écho. Je vais enlever un casque, voir. Ok, non, c'est correct. Ok, je sais pas pourquoi. C'est genre, quand j'ai le casque et truc, ça fait un peu d'interférence dans mes oreilles. Je sais pas si vous l'entendez au micro. J'espère que non. Ensuite, ici, vous avez une forge. Une forge, quand même assez swag, je trouve. C'est vraiment bien bâti. Hein. Sincèrement, Ketsusama, là, big props to you, my friend. Vraiment génial. Tu construis comme un esti de dieu, bâtard. Ah, merde, on peut même aller là. Regardez. Oh, swag. Je trouve ça vraiment beau. Il devrait faire quelque chose ici, des petits marchés ou quelque chose comme ça. Ce serait vraiment plus swag. Je vais juste déplacer le micro comme ça. Voilà. Et puis voilà. So, on va descendre. On va retourner en bas. Les mini-têtes de cactus, je trouve ça swag. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, ça me fait penser au truc dans... sur The Co-Faction. Qu'est-ce qui est marqué là? On n'a pas été voir. Site. Il vous donne... Ok, le grade VIP donateur, le seul et unique grade du serveur, il coûte 4€, vous donne le 7 ohms, XP x2, slot réservé, aucun avantage, pay to win. Grâce au don, nous payons le serveur. Ok. Underchest nerf, je l'ai déjà dit. Comme je vous ai dit, il y a... Oh, par exemple, tout à l'heure, je parlais de surclaim, mes amis. Bien entendu, vous pouvez pas inviter 1 million de personnes. Je crois que le max, c'est 50, c'est 50 de power, alors voilà. Ok. Tout se passe sur le minage, sur le farmage, et puis etc. Ça, c'est pas pire. Ici, c'est quoi? Ingrédients, même chose. Vous pouvez acheter des ingrédients de potions. Ça veut dire que le nether doit être off. On va aller voir ici qu'est-ce qu'il dit, ce PNJ là. Lui ici, c'est quoi? Les bûches. Ok. Tu achètes du bûche. Rare block. Le bloc rare. Ok. Toi, tu dis quoi, mon copain? Rare. Ask 3. Oh my god, damn! Ça doit être fucking drôle pour PVP. Je crois qu'on peut taper plus rapide avec Ask, je suis pas certain. Piège à spawner, bon ben vous pouvez l'utiliser à l'infini, j'ai l'impression. Donc là on est coincé, damn. Ok. Là il devrait avoir d'autres PNJ bientôt, j'imagine. Parce que regarde, il y a un PNJ là. Et oui, c'est 48 semblants contre du diamant. Les PNJ sont quand même bons, je trouve, perso. Et ce zone d'achat revente. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Roll to totem PvP. Castle Totem, Totem. Ok, il y a des totems, c'est-à-dire que c'est comme un event automatique, si je peux dire ça ici. Par exemple, là, attention, on va être dans le... What? Dans la zone PVP. En espérant que personne vienne au PVP. La zone PVP qui est très, 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 très belle, les amis. C'est possiblement une de mes préférées. Pourquoi? C'est très simple. What the fuck? Je sais pas pourquoi, mais ça a arrêté l'impression de qu'il n'y a plus de chemin. On va aller voir là. Ah, là, c'est là le totem. Pourquoi un de mes préférés, c'est très simple, parce que c'est plate un peu partout, mais il y a quand même des petites montagnes quand on veut s'échapper ou faire des feintes ou quoi que ce soit. So, je trouve ça intéressant. On va aller voir. Ça, c'est le totem PVP, j'ai l'impression. Je suis pas certain encore, les amis. Je pense que ouais. Ok, ouais. Ça doit être le totem PVP. Ouais, ça doit être ça. Ok, et si on continue par là, ben là vous allez avoir sûrement le monde normal dans très bientôt. Même garde, le monde normal commence ici, je crois. Ici. À partir de... Non, encore un peu.
Ok, on tombe dans des montagnes et après ça fait pas tout un désert. Ok, ça c'est quand même cool. Quand même cool. Là. On va aller voir. Fait que vous avez, il n'y a pas vraiment de backup. Ça c'est quand même assez le fun, je trouve, personnellement. Après, c'est seulement un point de vue personnel, hein, les amis. Je veux dire, les serveurs, je vous les présente, puis vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est le but. Vous venez sur le serveur si vous intéresse. Si vous intéresse pas, vous venez pas. Voilà, c'est le but. Ici, c'est quoi? Il y a quelque chose là. Il y a là, bon, une tour. Je crois que c'est une base, je suis pas certain. Ok. Ça a l'air d'être une base, ça. Ou non, ça a l'air d'être un totem. Oh fuck, il y a deux witches là. Tabarnak. Oh la pute. Ouais, ça c'est une base. Ta mère t'a appris à marcher, je vais t'apprendre à courir. Ok, ta blague est vraiment pas drôle. Si tu vois cette vidéo, mon ami, ta blague est à chier même. Celui-là, on va juste courir. Pour se sauver. Oh, on va aller au spawn. Spawn. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai rien oublié. Il était, ben là, les enchantements, c'est P2, T2, des affaires comme ça. Ou même P3, je crois, je suis pas sûr. Mais je pense pas qu'il y a du P4. Ici, embarquement vers dans le Nether. Ça nous amène dans le Nether, un peu comme sur ZK Faction. Je trouve ça swag. Et puis là, ici. Hop là, hop là. Lave partout, j'imagine. Il y a des chemins par là pour partir, mais bon. Vite fait, quoi. On va retourner là avant de mourir. Et puis, voilà, j'espère que j'ai rien oublié, les amis. Si je devais lui donner une note, les amis, c'est sûr que ça serait un bon 10 sur 10 pour la construction, parce que j'adore ce que Ketusama fait. Par exemple, niveau originalité, il y avait déjà SH Faction. Je sais que SH Faction, c'est un peu mort, mais au moins... je sais pas, il y aurait pu y avoir des trucs un petit peu... Il y en a des trucs originaux là-dessus, là, je vois pas, c'est pas ce que je dis du tout. Juste que prendre un peu le truc de SH Faction, je trouve ça un peu bad. Mais bon, c'est pas grave. Parce que d'un côté, les joueurs le réclamaient, ça. D'un côté, ils répondent à ce que vous, les joueurs, vous voulez. So, je trouve ça bien. Et puis, je crois que c'est un serveur spécial qui est XCR28 fait pour ses 5000 abonnés. C'est pour ça que ça s'appelle 5K, je crois. 5K Faction. Je crois que je suis pas certain, je suis pas sûr à 100%, j'ai pas écouté nécessairement sa vidéo. J'ai rien écouté du tout en fait les amis, j'écoute jamais de vidéos sur YouTube, j'écoute seulement des anglais ou de la porno, so voilà. Sur ce, c'était Icon, le Pikachu de l'internet les amis. J'espère que la review vous a fait plaisir. Si la review vous a fait plaisir, laissez un pouce bleu, partagez-la sur les réseaux sociaux, je vais follow quelqu'un des personnes qui la partagent sur Twitter et qui me mentionne dans le tweet. Mon Twitter c'est IconsQC, so voilà les amis, c'était Icon, see you later, bye.